Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, je suis professeure des écoles et j'aime vraiment enseigner. Pourtant, il peut m'arriver de penser à changer de métier, ne serait-ce que par curiosité. Mais comment quitter une profession où reconversion est synonyme d'exception? C'est ce que j'ai décidé de partager avec vous, en décryptant deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Aujourd'hui, je reçois Olivier, 45 ans, qui a choisi de changer de voie pour échapper à la lassitude de son métier. Après avoir enseigné à la technologie dans le secondaire pendant 22 ans, il a décidé de démissionner en mars 2019 afin de rejoindre la SNCF. Aujourd'hui, il y est technicien supérieur en dépannage des trains et il ne s'ennuie pas une seule seconde. Dans cet épisode, on parle de l'importance des études qui peuvent faciliter une reconversion, de l'éventualité de se voir refuser une demande de démission, du maintien du niveau de vie quand on a une famille à charge, mais surtout de la possibilité de partir tout en ayant déjà un contrat signé. Je vous présente d'avance toutes mes excuses pour la qualité sonore qui n'est pas au rendez-vous malgré tous nos efforts. J'espère que ça ne vous empêchera pas d'apprécier cet échange et d'en retirer les informations nécessaires. Bonne écoute! Bonjour Olivier, bienvenue sur le podcast et merci de prendre le temps de partager ton témoignage. Bonjour Florence, pas de quoi, je suis très content de participer à cette expérience. Est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Olivier Lemoine, j'ai 45 ans. Je travaille actuellement à la SNCF, je suis dépanneur ferroviaire au technicien de Paris-Saint-Lazare et avant j'étais prof de technologie au collège Albert Camus à Dreux, métier que j'ai pratiqué pendant 22 ans. Si on commence par un petit retour en arrière sur le début de ta vie, par quoi est-ce que tu as commencé d'un point de vue scolaire? Alors au niveau de mon parcours scolaire, je suis passé par un lycée général et technologique, à l'époque on appelait ça le bac électrotech, avec F3. Sur Chartres. Je savais pas trop quoi faire après ce bac que j'ai obtenu en difficulté. Donc j'ai poursuivi après le bac F3 sur un BTS électrotechnique. Et là, c'était au lycée Branly à Dreux. J'ai obtenu aussi du premier coup sans trop de problèmes, même si j'étais pas un très grand travailleur. Et à la suite du BTS, moi, je me suis posé la question sur la poursuite d'études. La plupart de ceux qui étaient avec moi en BTS sont directement rentrés dans la vie active. Et à l'époque, ma copine de l'époque est devenue ma femme après. Elle se destinait à aller dans l'enseignement. Elle savait très bien qu'elle voudrait devenir professeure des écoles. Donc c'est en l'accompagnant à l'université, à la rentrée, que j'ai découvert une publicité, plus un affichage qui était je sais plus trop dans quel endroit de la fac, qui disait qu'il recherchait des profs de technologie dans l'académie d'Orléans-Tours, et puis en me renseignant un petit peu sur ce qu'il fallait pour rentrer dans ce métier, j'ai commencé cette expérience comme ça, à savoir je suis passé en licence, il y avait une licence spécifique à l'époque, pour pouvoir préparer au concours de l'enseignement de la technologie, ça s'appelait un CAPET. Donc je suis rentré en licence à Orléans, et à la suite de la licence, je suis rentré en préparation pour le concours et j'ai passé le concours que j'ai obtenu de la première année. D'accord, donc t'as vu de la lumière et t'es rentré en fait. Exactement. Pour moi, c'était pas comme d'autres dans le métier une vocation. Moi, c'était pas du tout ça. C'est ça. J'ai vu de la lumière et je suis rentré. Et ça t'a plu quand même parce que donc j'ai vu sur tes réseaux sociaux que t'étais resté enseignant 22 ans et que tu avais passé 17 ans dans le même établissement. Donc t'y as trouvé ton compte. Ah oui, j'y ai trouvé mon compte, tout à fait, ça m'a plu, je me suis, comme je dis, parfois éclaté dans ce travail, j'y ai passé de très bons moments, mais c'est surtout vers la fin que je trouvais ça lassant, mais effectivement, j'ai eu aucun souci, je suis bien éclaté professionnellement. Et c'est cette lassitude-là, c'est l'unique critère qui t'a fait partir après 22 ans? Oui, c'est le critère principal, la lassitude et puis le manque de perspective, parce qu'en fait, c'est ça que pour moi, c'était vraiment inenvisageable de continuer à faire la même chose encore pendant quasiment le même temps, au bout de 22 ans, moi j'ai 45 ans, donc il reste en gros encore une vingtaine d'années à travailler, donc la perspective de faire encore pendant 20 ans la même chose, ça me paraissait complètement inenvisageable. Dès le départ, quand je suis rentré dans le métier, enfin dès le départ, peut-être pas, mais très vite, je me suis dit que je le ferais pas toute ma vie. Et tu t'es pas dit que, au lieu de, par exemple, changer complètement de métier, tu t'es pas demandé, tiens, et si je changeais
de classe, d'établissement, passer dans un autre type de lycée ou de collège? Alors dans mon cas, je ne pouvais pas aller en lycée, parce que le concours que j'ai passé, c'était uniquement axé pour le collège. D'accord. C'est plus le cas maintenant. Et j'ai envisagé à un moment, pas forcément de changer d'établissement, parce que quand on change d'établissement, le travail reste le même. Hein. La seule chose qui change, c'est les élèves et les collègues. J'ai envisagé de changer de fonction dans la grande maison éducation nationale, à savoir passer personnel de direction. D'accord. Il y a notamment un des principaux avec lequel j'ai travaillé, que je m'entendais très bien, qui m'a dit « Ah, je vous verrai très bien dans cette fonction-là. Il faut que vous deveniez chef d'établissement. » Il m'avait donné tous ses... ces notes de cours, parce qu'il y a un concours à passer, donc il y a quand même du bachotage à faire. Les notes de cours, les livres qu'il avait achetés pour la préparation. J'en ai lu un certain nombre, et en les lisant, j'ai vu que, notamment au niveau de la vie personnelle, quand on devient chef d'établissement, c'est assez compliqué, parce que ben, c'est fini les semaines pépères, il faut y passer beaucoup, beaucoup de temps. Et parfois, ça peut avoir des répercussions sur la vie privée. On est moins disponible pour ses enfants, pour sa femme, etc. Ouais. Quand j'ai vu ça, et notamment aussi j'ai lu que c'était un métier très ingrat et on est très seul. Donc ça m'a carrément rafraîchi, on va dire, et j'ai laissé tomber l'idée. Et entre le moment où tu as commencé à avoir ces envies de changement et donc tu as envisagé ce changement de poste-là, et le moment où tu es vraiment parti, il s'est passé combien de temps à peu près ? On va dire que ça a pris 2 ans en termes de réflexion et en termes de décision de vraiment passer à l'acte. Je l'ai pas fait plus tôt parce que j'ai 2 enfants qui ont 17 et 20 ans. J'attendais qu'ils soient suffisamment grands pour qu'il y ait moins besoin d'être présent à la maison pour m'occuper d'eux. D'accord. Parce que malgré tout, maintenant, je suis quand même moins souvent à la maison que quand c'était pas. Ma femme était pas forcément prête au début non plus à entendre que j'avais envie de changer de travail. Toi, justement, ma première invitée n'avait pas forcément d'enfants et du coup, on n'envisage pas les mêmes choses. Toi, tu en as et du coup, j'allais te demander, ben, par rapport à ta femme, tes enfants, mais ton entourage proche de manière globale, est-ce que c'est un choix qui a été compris, qui a été accepté, qui a apporté peut-être des questionnements? Ma femme, elle avait un petit peu de mal au début, mais après, elle a bien compris que c'était pas une lubie, que c'était pas quelque chose que j'avais décidé comme ça d'un coup de tête. On a beaucoup échangé là-dessus, et après, ben, j'ai envie de le faire, vas-y, fais-le. Hein. Le travail, c'est quelque chose d'important. Et au niveau de tes collègues, est-ce que tu en as parlé aussi avec des collègues de travail, et est-ce que c'est un choix qu'ils ont compris? Oui, j'en ai parlé avec pas mal de collègues, et oui, tout à fait, c'est un choix qu'ils ont compris. Il y en a même plusieurs qui m'ont dit, bah, t'as de la chance d'y être arrivé. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien faire la même chose et qui sont désabusés par rapport à ce qu'ils font. Ils ne voient pas trop de perspective de pouvoir changer. C'est compliqué quand même. Dans certaines matières, c'est difficile, hein. Plus difficile que dans d'autres, on va dire. Toi, justement, t'as demandé une démission pour t'en aller? Oui, je suis passé par la formule de la démission, hein, tout à fait. Et est-ce qu'elle a été acceptée? Alors, elle a été refusée. Quand je vais poster ma demande, je vais être contacté au bout d'un mois par quelqu'un du rectorat. Au bout d'un mois, j'avais toujours personne qui m'avait contacté, donc j'ai appelé moi-même l'inspectrice de la matière que j'enseignais, la technique. Il n'avait jamais entendu parler de moi. Et ça a pas duré très longtemps, la conversation. Elle m'a tout de suite dit, je vais pas vous autoriser à démissionner parce qu'on a besoin d'enseignants comme vous. Elle a essayé de me mettre un peu de pommade. Moi, je lui ai dit que de toute façon, si elle refusait ma démission, bah, c'est pas grave, j'abandonnerais mon poste. 3 semaines après, elle m'avait toujours pas rappelé, donc je les ai un peu harcelés. Et finalement, à force de les harceler, ils ont accepté le principe de ma démission. Et tu l'aurais fait, sinon tu l'aurais abandonné? Oui, oh, oui, bien sûr. Mon contrat a été signé, enfin, j'avais ma promesse d'embauche, je l'aurais fait. Sans aucun problème. D'accord. Et c'est ce que j'allais te demander ensuite. C'est un peu particulier. Souvent, les enseignants, ils hésitent parce qu'ils ont peur de ne rien trouver après la démission. Et toi, dans ton cas, c'est différent. Tu avais déjà donc un contrat de signer avant de démissionner, c'est ça? Oui, j'avais ma promesse d'embauche qui était signée avant de pouvoir démissionner. Et tu l'as trouvé comment, ce contrat-là? Alors moi, quand j'ai entamé le processus d'essayer de trouver autre chose, je me suis renseigné sur tout ce que je pouvais faire. J'ai complété un tas de sites où il y a des propositions de postes, même dans le public d'ailleurs, hein, la bourse de l'emploi public, j'y allais régulièrement pour voir les postes. C'est pas très simple non plus, surtout quand on est prof, puisqu'il y a une histoire de catégorie par rapport aux rémunérations, et quand on est prof, on est de catégorie quasiment cadre, qui veut dire qu'on peut pas candidater sur n'importe quel emploi. Il y a des grilles, etc., etc. Notamment, j'avais trouvé un poste à la préfecture de Chartres. J'avais été en contact avec la personne qui faisait le recrutement. Elle m'avait dit, bah, il y a pas de problème. Votre profil m'intéresse. Mais je vais pas pouvoir vous prendre parce que je vais pas pouvoir vous payer à la hauteur de ce que vous allez vouloir. Donc, j'ai complété tout un tas de réseaux sociaux professionnels.
j'ai dû faire un CV, etc., etc. Et j'ai candidaté sur le site de la SNCF, SNCF Recrutement, ça c'était au mois de juin. J'ai candidaté sur un poste de dépanneur ferroviaire, et j'ai été contacté par un recruteur au mois de juillet, c'était au début des vacances. Et on a échangé, c'était assez rigolo d'ailleurs, j'étais sur la plage à ce moment-là. On a eu un espèce d'entretien d'embauche qui a duré une demi-heure, entre le bruit des mouettes et puis le recruteur de la SNCF. Et il m'a dit, ben, votre profil nous intéresse, donc il va falloir que vous veniez à Paris pour qu'on fasse une séance de recrutement. Donc la séance de recrutement, on a pris rendez-vous, c'était le 29 août. Donc je suis allé à Paris le 29 août, ça a duré une journée complète. Et à la fin de la journée, on nous a tous dit, ben, vous serez contacté par nos services, vous aurez une réponse d'ici 15 jours. Et puis ben, finalement, j'étais rappelé le lendemain. Et on m'a dit, ben, c'est bon, vous avez été retenu, vous allez pouvoir intégrer la SNCF. Oh, rapide. Ouais, très rapide. Ça s'était plutôt bien passé la journée de recrutement. J'avais eu un bon feeling avec une des personnes qui était là pendant le recrutement, qui est devenue mon chef de travail après. Au niveau administratif, je leur ai bien expliqué que c'était que je ne serais pas disponible avant 4 mois. Donc eux, ils ont accepté. Donc ils m'ont fait une promesse d'embauche au mois de mars. Ça, c'était en août et ils m'ont dit, ben, c'est bon, on vous attend jusqu'au mois de mars. D'accord. Donc toi, tu as eu le temps de te préparer psychologiquement et de mettre tes démarches en œuvre pour la démission, quoi. Exactement. J'avais pris un peu de marge. Et est-ce que quand tu as fait ta demande de démission, tu as prévenu l'Éducation nationale que tu avais déjà un poste qui t'attendait ou pas ? Oui, tout à fait. J'ai clairement exprimé dans le courrier en mettant les dates. Elles coïncidaient avec celles de la SNCF. J'ai un peu imposé mes dates, en fait. Bon, visiblement, tu as eu raison d'imposer, puisque sinon tu serais toujours dans l'Éducation nationale. Non. Et au moment de l'entretien, des différents entretiens que tu as pu avoir avec la SNCF, est-ce que ça a été vu comme plutôt positif ou négatif, le fait que tu sois enseignant avant ? J'ai ressenti que j'en ai eu, ça n'a eu aucun côté négatif. Le recruteur, enfin la personne qui participe au recrutement, on va dire le technicien, parce que dans la journée, on passe toute une matinée avec une psychologue du travail, on fait des tests sur tablette, des tests de logique, etc. Des tests qui sont assez reconnus apparemment, puisque la SNCF les vend à d'autres entreprises. Et la personne qui m'a fait l'entretien technique, sa femme était enseignante. Donc il avait déjà, il savait un peu comment ça se passait. Bon, c'est bien, ça joue en ta faveur. Je pense, ouais. Ouais, je pense. Et au niveau des diplômes et des expériences qui t'ont été demandées, donc toi, tu as déjà une formation de la base par tes études qui est dans ce domaine-là. Tu as enseigné dans un domaine qui est proche. Est-ce qu'on t'a demandé d'avoir d'autres diplômes ou est-ce que tu as dû passer des formations particulières ? Alors non. BTS que je possède là en électrotechnique et la licence en suffit, après tout le reste de la formation en interne. C'est à la SNCF, ils dépensent pas mal d'argent sur la formation avec les formateurs, mais également par la formation au sein des équipes en elles-mêmes avec un genre de compagnonnage en fait. Oh, c'est super ça. Oui, c'est très très bien organisé. Et c'est de la formation donc qui t'est offerte ? Oui, tout à fait. Et que tu passes sur ton temps de travail ou que tu dois faire à côté ? Non, je passe sur le temps de travail. Ça nous avait été expliqué dès le processus de recrutement qu'un dépanneur dans le ferroviaire, il a à peu près 4 à 5 ans avant d'être complètement, on va dire, performant. Et que le parcours de formation, il dure entre 3 et 9 mois. Quoi. Tu as fini toute la partie formation ? Non, je n'ai pas encore terminé. À cause du Covid, il y a un certain nombre de formations qui ont été... qui étaient prévus, qui ont été décalés, qui ont été annulés, donc je n'ai pas tout à fait parlé. Exact. J'allais justement t'en parler aussi du Covid, puisque dans l'éducation nationale, on a cette sécurité de l'emploi, on n'a pas été impacté, on va dire, financièrement par la crise sanitaire. Ouais. Toi, dans ton travail actuel, ça a donné quoi, cette crise du Covid ? On a continué à travailler quasiment tout le temps. À la SNCF, il y a certains postes qui ont été très rapidement, soit même des personnes qui ont été mises en chômage, partiel et qui sont restés à la maison. Et d'autres personnes qui ont été plutôt l'encadrement, on va dire, qui ont été mis en télétravail. Et pour ma part, sur le poste que j'occupe de dépanneur, on a eu beaucoup de travail à faire pendant le confinement et juste avant la fin du confinement pour s'occuper de tous les trains, puisque ça, c'était jamais arrivé d'avoir des trains à l'arrêt. On avait 90%, ouais, c'est sûr. 90% du parc des trains sur la région parisienne qui était à l'arrêt. Il a fallu les stocker sur des voies de garage. Les semaines, on devait aller faire des vérifications, les remettre en marche, les contrôler. Donc ça nous a bien occupés. Et du coup, de manière globale, en Covid ou pas Covid, est-ce que tu n'as pas retrouvé cette lassitude que tu avais dans le métier d'enseignant ? Pour l'instant, non. Honnêtement, ça bouge beaucoup. Et comment tu décrirais une journée que tu passes à ton travail ? En fait, le début de la journée est assez standard, assez classique.
a tout un tas de réunions, on fait des points de production avec les différents sites. On a plusieurs sites, il y en a un sur le Valois-Béret, il y en a un sur Argenteuil, il y en a un sur Achères. Donc ça recouvre géographiquement plusieurs endroits. Donc on fait des points, on suit les différents incidents qu'il y a eu par rapport à la veille, les incidents en ligne, les pannes, etc. Et après on peut être appelé, il y a un système d'astreinte qui est mis en place, et on peut être appelé à intervenir à peu près à n'importe quel moment, hein, que ce soit de la journée ou de la nuit, quand il y a un train qui est en ce qu'on appelle nous en demande de secours, c'est-à-dire un train qui est bloqué en ligne et qui peut pas repartir. Donc, quand il peut pas repartir, il bloque les autres trains. À ce moment-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui intervienne pour aller le dépanner. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Il y a le téléphone qui sonne et puis ben il faut tout de suite y aller. Pas trop de lassitude, on va dire. Est-ce que tu verrais des avantages et des inconvénients à ton nouveau métier par rapport à celui d'avant? L'avantage, ben, c'est que, comme je te disais, c'est varié. Il y a pas d'ennui, il y a pas de routine. L'inconvénient majeur dans mon cas, c'est les temps de transport, en fait. Comme c'est un poste qui est sur Saint-Lazare et que j'habite à Dreux, ça fait 2 heures de trajet le matin et pareil le soir. Wow. Ouais. J'aimerais bien pouvoir me rapprocher du travail, mais ça, c'est très compliqué. Ça veut dire déménager et, les prix de l'immobilier dans la région parisienne, c'est quand même pas la même que sur Dreux. Et puis, ben, ma femme n'est pas prête à aller vivre en région parisienne. D'accord. Bon, ce que j'entends bien aussi, hein, on disait tout à l'heure que le travail, c'est important, on y passe une grande partie de notre vie, mais chez soi, on y passe aussi une grande partie, donc il faut trouver le bon compromis entre les deux. Oui, c'est vrai. Tu disais sur ton compte Instagram, le 6 mars 2020, oui, que ça faisait un an que tu avais quitté l'éducation nationale pour rejoindre la SNCF et que tu n'avais aucun regret dans ta reconversion parce que tu avais appris beaucoup de choses et qu'il te restait beaucoup à apprendre. Est-ce que tu n'as toujours pas de regret ou est-ce que tu changes d'avis? Non, je n'ai toujours aucun regret. Non, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir changé avant. Je pense que j'aurais pu le faire avant. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'entourage n'était pas forcément prêt. Est-ce que vous aussi, dans le secondaire, c'est comme dans le primaire et quand on démissionne, on perd le bénéfice de son concours? Ah oui, complètement. On reçoit un joli courrier officiel, on est rayé des cadres, on perd le bénéfice du concours. D'accord, donc effectivement, ça se réfléchit bien. Est-ce que tu as, donc là c'est un CDI que tu as comme contrat? Oui, à l'époque où je suis rentré à la SNCF, il y avait encore le double système du statut de cheminot et puis des gens embauchés sous CDI, ce qu'on appelle chez nous les contractuels. Maintenant, c'est réglé depuis le 1er janvier, il n'y a plus que des contractuels. Le statut cheminot n'existe plus pour ceux qui veulent rentrer dans la grande maison. D'accord. Et dans mon cas, comme j'avais plus de, je crois que ça devait être 30 ans, au-delà de 30 ans, de toute façon, automatiquement, on est, à l'époque où je suis rentré, on ne pouvait pas prétendre être cheminot, c'était automatiquement un statut contractuel. Donc, je suis sur un CDI. Du coup, tu retrouves cette sécurité de l'emploi. Est-ce que c'était un critère pour toi en changeant? Oui, je serais pas risqué à démissionner sans avoir un CDI. Je l'aurais pas fait, par exemple, pour un CDD. J'imagine que ta compagne, c'est aussi peut-être ce qui l'a sécurisé à accepter ton choix, que tu aies un CDI en vue. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je parlais du fait d'avoir recherché un certain nombre de postes. Il y a également le critère financier, hein, parce que quand on est enseignant, on se plaint souvent de ne pas être suffisamment payé. Et quand on regarde les annonces d'emploi, on se rend compte que c'est pas si mal que ça, en fait. Dans les recherches que j'ai faites, il y a des postes que j'ai pas retenus parce que c'était pas, la rémunération n'était pas suffisante. De mon côté, la SNCF, j'ai pu négocier mon salaire. Oui, c'est chose qu'on ne peut pas faire partout. C'est ça. En fait, ils ont, lors du recrutement, j'ai discuté avec le recruteur au téléphone que j'ai eu la première fois. Il m'avait fait une simulation de salaire en reprenant en compte mon ancienneté de prof comme si c'était une ancienneté à la SNCF. Super. Du coup, il m'avait donné une somme. Et c'est cette somme-là, après que j'ai réclamé à la RH. Et à la RH, au début, elle a un peu cliqué, mais du coup, j'ai eu quasiment ce qu'il m'avait prévu. Ce qui a posé problème après, puisque dans l'équipe où je suis arrivé, avec le salaire que j'avais négocié, c'était un salaire qui était supérieur à celui d'autres personnes. Qui a posé problème aux collègues? Aux collègues, oui. Parce que moi, enfin, au niveau financier, j'ai pas de tabou. Quand on m'a posé la question, tu vas gagner combien? T'as réussi à avoir combien? Je l'ai dit. Et puis après, il y a la rumeur, quoi. Tout le monde en parle. Je m'attendais pas à ça, d'ailleurs. Et justement, si tu n'as pas de tabou sur le sujet, est-ce que tu peux me dire combien est-ce que tu gagnais en tant que prof de techno au moment où tu es parti et combien tu as gagné lorsque tu as commencé à la SNCF? Alors, en termes de salaire net, sans qu'il y ait d'heures supplémentaires, j'étais autour de 2200 euros net. Et c'est ce que j'ai obtenu en rentrant à la SNCF. D'accord. Après, il y a tous les éléments variables. Par exemple, quand on travaille de nuit, c'est payé davantage. Il y a des primes d'astreinte, etc., etc. Bon,
en termes de salaire net, j'ai pas perdu, on va dire. D'accord. Oui, donc au niveau de ton, tout ce qui est ton niveau de vie, tu peux garder un petit peu le même rythme, quoi. Oui. Il y a l'argent qui est important pour subvenir aux besoins de sa famille, mais il y a aussi le temps. Et j'allais te demander, au niveau de la quantité de travail hebdomadaire, est-ce que tu as une durée fixe de travail hebdomadaire, type un 35 heures, ou est-ce que, comme ça dépend des pannes, etc., est-ce que ton travail hebdomadaire, il change chaque semaine? Non, c'est un temps de travail qui est fixe. Il y a juste quand c'est les sorties d'astreinte, c'est des heures supplémentaires. On commence le matin à 8h et puis on finit à 15h45. Et au niveau des vacances, donc en tant que professeur au collège, tu devais avoir quelque chose comme 15 semaines de vacances, il me semble. Mm-hmm. Ça doit être à peu près comme nous. Est-ce que tu... Je pense pas, mais est-ce que tu as autant de vacances aujourd'hui à la SNCF? Ah non, j'en ai beaucoup. Hein. J'ai 8 semaines, donc moi ça me convient. Et est-ce que tu peux les placer quand ça t'arrange, ou est-ce que tu as des créneaux qui sont imposés? Non, ça, après c'est des accords qu'on a au sein de l'équipe. Est-ce que donc tu as un petit peu moins de vacances en termes de quantité, mais est-ce que tu dirais que tu as la sensation d'en avoir plus, dans le sens où j'imagine que maintenant, pendant tes vacances, tu n'as pas de travail à fournir? Ah, ça c'est un vrai bonheur. Quand je suis en vacances, je pense pas au travail, j'ai pas de travail à fournir. C'est vraiment du temps libre. Et à partir, c'est au quotidien, c'est la même chose. Hein. Quand on quitte le travail, on n'a plus rien à faire. On pense plus au travail. Il n'y a plus de stress par rapport à ça. La journée est finie et puis elle est vraiment finie. J'imagine que ça doit faire du bien. Ça fait un bien fou. Ça fait bizarre. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Justement, t'as une grande liberté, t'as plein de temps libre et t'as plus de choses à penser par rapport au boulot. Et ça fait bizarre dans quel sens pour toi? Au début, ça m'a fait bizarre bah, de se dire ça y est, la journée est terminée, j'ai plus rien à faire. J'ai plus besoin de me remettre au bureau, à l'ordinateur, rien à préparer. Ça m'a fait bizarre, mais c'était un sentiment bien agréable. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour celles et ceux qui hésitent, comme certains collègues avec qui tu as pu parler quand toi tu as fait ton choix, qui hésitent à sauter le pas, qui ont peur, qui appréhendent? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Ah, c'est pas facile comme question. Ben, je pense qu'il faut, y aller, quoi. Ben, c'est facile à dire, hein, quand on y est parvenu. Tu connais d'autres collègues qui, comme toi, ont réussi à obtenir un contrat avant de démissionner? Honnêtement, non. Parce que j'en avais jamais entendu parler et du coup, je trouvais ça assez étonnant. J'ai pas forcément vu beaucoup de retours qui allaient dans ce sens-là et ben, je trouve ça chouette parce qu'en fait, ça enlève vraiment une grosse partie de l'appréhension. Que ce soit d'un point de vue du salaire, d'un point de vue des compétences, tu sais où tu vas, quoi. C'est pas je démissionne et j'ai aucune idée de ce qui m'attend derrière. Ouais, bah ça complètement. Sinon, c'est vraiment un saut dans le vide, hein, de lancer une démission sans vraiment avoir de projet derrière. C'est encore plus courageux, à mon avis. Certains, je pense, y arrivent comme ça. C'est encore plus courageux. T'as pas envisagé une mise en disponibilité, par exemple, pour aller travailler à la SNCF le temps de ton contrat, mais éventuellement te laisser la possibilité de revenir si ça te plaisait pas? Alors, à moi, elle était impossible de mon côté, la mise en disponibilité, puisque j'ai commencé par demander cette mise en disponibilité, et on m'a dit non, monsieur, vous n'êtes pas dans les délais. Il aurait fallu la demander l'année précédente. Dans mon cas, c'était pas possible. Sinon, ça aurait été une bonne solution, effectivement. Ouais, bah ça laisse une porte de sortie au cas où, quoi. Exactement. Je vais te demander de compléter une phrase pour terminer ce podcast, qui est la suivante. Avant, j'étais prof. Aujourd'hui, je suis. Je suis heureux. Je suis heureux à la SNCF. On dirait presque un slogan de pub. Carrément. Eh bien, écoute, je te remercie, Olivier, pour ton partage, pour ta sincérité, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je t'en prie. Merci à toi. Je mettrai le lien de ton compte Instagram dans la description du podcast, puisque tu y donnes plein d'informations et que tu permets de faire suivre avec toi au jour le jour toutes les missions que tu as au quotidien. Et je trouve ça super sympa. Oui, ben en fait, c'est ma fille qui m'a donné cette idée. Elle est en alternance cette année en licence de communication et à l'époque, elle s'intéressait déjà à tout ce qui est Instagram. Elle m'a dit, tu devrais faire un Instagram pour continuer à garder un peu le contact, le lien avec les anciens élèves. Et avant même d'être parti du collège, j'en avais parlé aux élèves. Quand j'aurais annoncé que j'allais partir, je leur ai dit que je pourrais continuer à me suivre sur Instagram. Je leur avais donné le nom du compte et
dans le nombre de personnes qui me suivent, il y a beaucoup d'anciens élèves. J'ai vu ça, j'ai regardé un petit peu du coup les posts, je regardais un peu ton quotidien, à quoi ça ressemblait, et je voyais tes commentaires qui étaient super amusants. « Ah, mais monsieur, vous étiez le meilleur prof de techno, pourquoi vous êtes parti ?» Oui. C'est quelque chose qui te manque, le contact avec les élèves ? Un petit peu, oui, forcément, parce que moi, comme ça, je sais, hein, ça se passait bien au niveau des relations avec les élèves, ça m'a manqué au début, enfin, ça m'a fait tout bizarre. De passer du 5 mars 2019 dans une classe au lendemain où il n'y a plus aucun élève, plus aucun collègue, c'est sûr que c'était un peu bizarre. De se retrouver le matin dans son train, ça fait un choc. Là, tu travailles en équipe quand même, t'es pas tout seul ? Oui, je suis dans une équipe, là on est 7. Après, avec les congés, les absences des uns et des autres, ça bouge en fur et à mesure de l'année. T'as pas d'autres anciens collègues avec toi ? Non. Non, non. Bon, je te remercie beaucoup, Olivier, et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant, j'étais prof. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez également le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également Facebook et Twitter, @avantjétaisprof. Et si vous souhaitez échanger avec Olivier, vous trouverez le lien de son compte Instagram dans la description. Et non, vous ne voyez pas double, son compte se nomme bien lui aussi, Avant J'étais Prof. À bientôt !